J'ai inventé une fusée. Courte. Brillante. Et d'un métal très spécial. Ni en or, ni en argent. Non. C'était du platine. Du gris noble d'éléphant. Qui coupe le souffle. Et qui te caresse. Avec la chaleur d'un lapin. À la laine d'Angora. J'avais mis deux yeux de biche à la place du bouton. Où tu appuies et tac, le viseur te saute sous le nez. Il peut même te l'écraser si tu ne fais pas attention. Et c'est pour ça que deux petites lumières rousses transparentes s'allument et un petit signal de clochette de foire, genre montagne russe, se déclenche. Toutes ces petites musiques t'envoûtent et te préparent spirituellement pour la sortie du viseur et pour ton entrée dans l'espace terrestre. Oh, ma petite fusée de rêve. Elle a presque un télescope à la place du viseur. Et je pénètre. Je pénètre et je passe à travers l'espace. Elle vit les objets dont je n'ai pas soupçonné l'existence à l'œil nu. Et je tire et elle y arrive. Alors, la balle suit la victime, même si elle n'est plus dans la ligne parabolique de son trajet. Et paf ! Oh ! L'atteint ! Et où je veux ? Dans la tête, les genoux, les reins. Dire, j'ai passé sous l'appareil des contrôles tellement de fusées que je sais beaucoup mieux comment elles sont faites que ce que j'ai sur le côté et qui me fait si mal. Oh, il faut que je me lève. Il est 5 heures, l'après-midi. Et depuis que je travaille la nuit, mon rêve est devenu tellement précis que je n'arrive plus à me lever de mon lit pour ne pas perdre un seul détail de ma petite fusée. Destructeur, destructeur, destructeur de cellules grises. Ces conneries de moto m'écrasent tout. Tout.
que Johnny Junior s'est acheté une moto à bruit aérodynamique, eh bien, je l'ai raccompagné à la porte. Et depuis, le silence enveloppe mes rêves. Et je préfère travailler la nuit. Parce que le jour, il faut que je parle avec Johnny. Et surtout, il faut que je parle avec les copains. Merde. Déjà que je l'ai engendré, il faut que je lui parle en plus. La nouvelle loi constitutionnelle postule que tout père de famille est obligé d'échanger au moins de 25 à 39 mots par jour avec sa progéniture. Est-ce qu'ils ont calculé le nombre de calories que ça représente? Ouvrir la bouche. Quel gaspillage d'énergie utile. Mais il faut lui dire. Il faut enregistrer les mots pour Johnny. Il faut. Sinon, des sanctions graves m'attendent. Aujourd'hui, au début de l'après-midi, un homme s'est jeté par la fenêtre. Des nouvelles locales, de notre ordinateur local, toutes les 15 minutes. Voilà. Un con pareil, ça me chatouille l'imagination. Se jeter par la fenêtre. Déjà, pour trouver une fenêtre qui s'ouvre librement. Mais toutes sont clouées à cause de l'air conditionné. Mais où habite-t-il? Il a dû le faire à la maison. Habite-t-il? Où? À New York, évidemment. Mais où peut-on se suicider bien sans souper? En se jetant par les fenêtres. Oh là là. Puis là-bas, à New York, c'est devenu une tradition de se jeter par les fenêtres. Quel conservateur ces New-Yorkais. Il pourrait quand même se flinguer. Il y a tellement de possibilités de s'acheter des pistolets. Il y a tellement de livres qui expliquent où se procurer l'arme et comment faire ça. Et on décrit si bien les conséquences, si propres et si immédiates d'un tel acte. Oh, faut que je me lève. Je n'ai même plus de salive pour cracher. Je n'ose même pas respirer trop. Et remuer l'air autour. Et voir mon énergie.
partir. Tiens. Voilà le voisin qui revient. À cette heure-ci. Bizarre. Un garçon de café qui rentre à la maison à 5h10 de l'après-midi. C'est qu'il ne veut plus travailler. J'espère qu'il n'est pas malade. Ah ouais. J'espère pour lui, comme on dit. Heures, 12 minutes et 32 secondes. Dans la périphérie de New York, une jeune femme vient de se jeter du 11e étage d'un bureau. Oh là 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 là. Encore une maintenant. Depuis qu'ils ont relié le réseau d'information automatique, eh bien on n'échappera plus à rien. On saura tout sur nous. Et bien d'abord, c'est de la mauvaise publicité. Parce que je ne crois pas que les propriétaires de gratte-ciel payent la radio pour faire de la pub, pour leur suicidaire, leur saute fenêtre. Non. Et puis, et si ces propriétaires gagnent quelque chose? Et si les gens les payent pour les laisser sauter par les fenêtres? Mais pourquoi ne ferait-il pas différemment? Et si je me concentrais? Bon, ben voyons. Combien de suicidaires par jour? 19. C'est le chiffre du jour. Alors, quand on sait que dans un mois, il y a 30 jours, et que ces 30 jours, je les multiplie par 19, ça me fait donc 30 par 19, ça me fait 570. Mais alors, quand on sait que dans une année, il y a 12 mois, eh bien, je fais le compte, par 12, ça me fait 6840. Oh. 6840. Et rien que dans la ville de New York. Et attention, j'extrapole, évidemment. Et tous ces gens qui sautent par les fenêtres, au lieu de s'acheter une belle arme et de se flinguer. Et quand je pense que sur le continent, il y a 10, 20, 30 fois plus de gens qui se suppriment, et des centaines de fois plus qui rêvent de se supprimer. Quel désastre. Quel désastre que de laisser les gens sauter par les fenêtres. Et puis d'abord, ce ne serait pas très poli pour les voisins. Et encore moins pour les petits-enfants. Parce que quand Johnny Junior était petit, je faisais bien attention qu'ils n'avalent pas une partie de ma fusée. Et ouais. Ouais. Ça fait 20 ans. 20 ans que je construis une fusée unique au monde. Et il ne faut pas laisser les balles aux petits enfants. Sinon...
sinon ils les avalent. Et ils ne font pas plus d'efforts que ceux qui se jettent par les fenêtres. Secondes, chers auditeurs, chères auditrices, chers amis, nous enregistrons un nouveau suicide. Oh là 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 là. Oh non, 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 non. Oh non, non. Oh, quel désastre, quel gaspillage. Quel gaspillage. Quel gaspillage. Oh non. Quel gaspillage! J'ai combien de commandes perdues pour ma belle usine? Ah, il faudra peut-être que je leur suggère que depuis qu'on participe à la gestion de notre entreprise, ça fait 10 ans que les lois ont été votées. Et l'usine n'est toujours pas à nous. Jusque-là, je n'ai toujours pas fait de proposition acceptable. Tiens, j'ai une idée. Je me présente devant mon directeur administratif et je lui suggère de recenser tous ceux qui sont susceptibles de bien vouloir se suicider. Il faut faire une étude du marché. En passant la population par des ordinateurs qui détectent ce genre de désir et qui peuvent même leur donner un coup de pouce. Des signes du genre. Alors, vision sceptique sur la vie, manque d'espoir, mal à la tête, rhume, douleur dentaire. Ils sont tout à fait clairs. Et puis les dents se manifestent toujours quand il n'y a plus d'issue. La prospection faite, on emménage des magasins dans la proximité. Être gentil, mais pas trop. Pas trop. Sinon, le suicidaire pourrait très bien s'attacher au pauvre vendeur qui ne pourra plus se débarrasser de lui. Surtout s'il est sensible. Mais alors, il n'y aura moins de pistolets d'acheter? La production baissera? Et puis on me licenciera? On me mettra au chômage? Non. On ne me gardera pas. 30 ans. J'ai déjà l'âge de partir maintenant. D'ici des 50 autres années qu'il me reste. Oh, mon Anita, comme tu vois,
toujours fidèle et propre. J'attends la suite. Alors j'invente au lit. Oh là là, oui, je sais, je sais. J'ai très envie de changer mes draps. Mais comment ça sentir? Mais ce n'est pas eux qui sentent. Mais non! C'est l'huile du dégraissage qui sent. J'ai dû en renverser ce matin en rentrant dans mon lit. Mais... Où est passée la commande dans mon viseur? Où elle est passée la commande de mon viseur? Tu sais, Anita, à chaque fois qu'une pièce de la fusée manque, eh bien, je soupçonne Johnny Junior. Je pense qu'il avale. Rappelle-toi comme nous étions restés toute la nuit à attendre qu'il fasse caca pour qu'on puisse récupérer notre alliance de mariage. Et maintenant que les pièces de la fusée qu'il avale sont beaucoup plus grandes, j'ai l'impression que quand je le regarde dans les airs de l'usine, j'ai l'impression qu'il peut l'avaler en entier s'il le veut. Et nous avec eux. Et les cadres et la direction. Je crois qu'ils vont pouvoir accepter ma proposition du recensement des suicidaires. Depuis 10 ans. Ça fait 10 ans! Ça fait 10 ans qu'une idée aussi géniale me passe par la tête. Et que quand je vais les voir, ou ils sont sur le point de la réaliser, ou ils l'ont déjà réalisée, ou ils se préparent à la réaliser. Mais enfin, John, on ne parle pas de ces choses-là, voyons. Des armes. Mais comment arrive-t-il à réaliser tous mes projets sans jamais parler d'eux, en ne parlant pratiquement de rien sans moi? Que je les vois, mes oreilles se bougent automatiquement. Ils parlent si bas que je n'entends plus rien. Ben moi je regrette, moi j'aime bien parler à haute voix. Et puis, j'aime les autres entendre, j'aime entendre les autres parler à haute voix. Bon, je vais boire un bon coup à ta santé. Un pastis. Cinq heures et 45 minutes. Au moins un doute. Non. Chaleur. Non, il fait chaud. Anita, aujourd'hui je n'ai pas vu le soleil. Mais je ne bouge pas, moi. Est-ce que tu vas bouger? Lorraine, apporte-moi quelques glaçons avant, s'il te plaît.
je ne sais même plus quand est-ce que je suis en forme ou quand je ne le suis pas. Il faut que je vérifie. Alors j'ai dit à mon médecin ordinateur conseiller. Je ne sens plus si je veux ou si je ne veux pas. Alors le médecin ordinateur conseiller me demande. Est-ce que tu sens quand tu fais l'amour ou non, avant ou après? Cela n'a pas d'importance. Oh, que tu as l'air fatigué, John. Il faut te reposer. Tu as trop de trouvailles dans ta tête. Tu les trimbales partout. Tu les as oubliées aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te prie de te taire. Tu n'ouvres plus la bouche. Tu dis rien. Tu n'écoutes pas la radio. Attention, très attention, non, arrête! Mais tu peux pas m'arrêter comme ça en plein milieu, voyons Lorraine. Allez, viens. Tu viens. Sais ce que j'aime? C'est quand ta main caresse mon ventre. Paume énorme, tendre, qui nous caresse tous les deux, moi. Et mon enfant. Ma petite fusée. Ma gentille et toute petite fusée. Salope. Salope. Tiens. Non. J'ai une idée. Non. Voir. Si on ne peut pas changer le dégraissage par une couche non. d'air comprimé jusqu'au bout, non, méthode connue au début du siècle dernier. Mon bébé. Écoute, il ne faut pas m'exciter comme ça en plein milieu. Il ne faut pas. Je ne suis pas une putain, une salope, une garce. Je travaille à la radio de la prévention civile. Oh, mais je sais que tu es une fille bien. Mais moi, pour faire l'amour, je suis obligée de dire ces mots-là. Moi, pour faire les choses, je les discute. Je ne suis pas un silencieux. Je dis et après je fais. Toujours comme ça, je fais. En Asie aussi. En Afrique aussi. Quand je m'étais engagée dans l'armée, je disais et je faisais. C'est pareil maintenant. Et s'ils veulent me garder à l'usine, il faut qu'ils acceptent que je dise tous mes projets à haute voix. Et après, je ferai. Ma petite mitraillette. Ma gentille toute petite mitraillette. Mais ne chiale pas comme ça, voyons, c'était bon, non? Maintenant, je vais perdre mon bébé. Comment tu le sais? À chaque fois que je fais l'amour en scène, je le perds. Grand comme il est? Oh, oui. Hein? Mais tu vas mourir. C'est un bébé presque sur le point de naître. Presque, mais pas encore. Mais ne pleure pas comme ça, voyons. Je croyais que tu le faisais pour le plaisir. Comme je le voyais, comme je le voyais pas. Eh bien, je croyais que tu les donnais aux autres qui ne pouvaient pas en avoir, c'est tout. Je pouvais rester à côté de toi même, je pouvais, sans bouger même. J'ai mal.
Malou. Là, 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 partout. Ce n'est qu'une petite infirmière sexuelle. Une petite particule, deux petites particules et trois petites particules. À la deuxième, je serai obligé de partir. Et de partir où ? Je serai obligé d'aller à l'usine. Oh. Alors, une partie de ma petite mitraillette grise, deux parties de ma petite mitraillette grise, et trois parties. D'Eva en provenance d'Assis s'est posée au champ. Oh non, 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 mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Non. Je n'accepte pas. Je ne veux pas accepter. Jamais. Je n'accepterai que d'autres prennent notre pain quotidien. Mais oui, je comprends les guerres. Les petites, les grandes. Avec leurs armes, avec nos armes, c'est dans les contrats. Certifié, rectifié, c'est la loi. Mais nous, qui vivons du reste des marchés des grands, nous, de Hauteville, nous permettre des fusées d'Eva qui nous enlèvent les gens là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils foutent nos directeurs généraux, nos directeurs administratifs? Qu'est-ce qu'ils foutent nos directeurs commerciaux? Première qualité. Ma petite mitraillette grise. Portable, transformable, ma belle mitraillette au-dessous de mon lit. Il suffit de se concentrer, Anita. Il suffit de se concentrer. Concentrer. Je n'ose même pas respirer. Et plus c'est calme, plus j'ai peur que l'on m'entende respirer. Dormir. 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 Ne plus bouger. Plus une seule calorie doit s'échapper de mon corps. C'est mon frigidaire qui se révolte. C'était ma dernière bière. Mes amis. Mes copains. Mes camarades. Je viens de l'hôpital.
J'ai perdu mon bébé. Nous l'avons attendu, tous ensemble. Nous allons le veiller, tous ensemble. Appelez-moi au 325 32 06 pour me dire... Quelle chanson vous voulez entendre au nom de tous vos proches qui sont morts? Enterrés, incinérés ou partis comme mon bébé dans la poubelle du médecin. Stranger is a Night, une très vieille mélodie du siècle dernier. Ne pleure pas, mon Johnny. Tu n'y es pour rien. Un homme plein de sperme et qui marche comme un taureau sauvage dans la vie. Ça existait, tu sais. C'est rien. Mais une femme qui serre ses seins entre ses bras et qui serre ses cuisses et qui serre son sang et qui marche enragée dans la vie. Elle a reçu de toi, Johnny, tout, reconnaissante. Je ne fais que du mal à tous. Même quand je dépense mon énergie, si précieuse. Oh, j'ai faim. J'ai faim. Oh, un dessert. Un dessert. Une crème caramel. Oh, puis non, c'est trop. J'aurai trop de calories après. Comment faire pour ne plus sortir de mon lit? Ah, avec un peu de concentration, j'aurais pu me transformer un rayon d'énergie mentale et partir de cette terre. Et les autres? Les autres? Comment font-ils les autres? Pourquoi pour eux est-ce possible? Moi, j'utilise toute mon énergie à ne rien faire. J'invente comment ne rien faire. Tiens, voilà ma main qui se tend. Cette main?
prête à recommencer l'assemblage et qui attrape les pièces de ma petite mitraillette grise. Jamais je lui permettrai de recommencer. Jamais. Nous sommes 2559 personnes. 2500 ouvriers très qualifiés, hautement qualifiés, et 59 cadres. Et toutes les nuits, à 20h pile, nous sommes à nos places respectives. Dans notre belle usine grise, blanche, hautaine. Une vraie usine d'armes. Et tous les soirs, à 20h pile, eh bien nous chantons. Pistolets, fusils, mitraillettes, chérie. Notre pain quotidien. Reviens-nous. Notre honneur bafoué, méprisé. Reviens-nous pour que l'énergie nous revienne, pour que la vie nous revienne. Vif ou mort, peu importe. Le monde est plein de guerre. Une de plus, une de moins, ce n'est pas notre problème, parce que nous sommes pour la paix. Pistolet, fusil, mitraillette, chérie, notre pain quotidien, reviens-nous, nous sommes pour la paix. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai dit quelque chose encore? En trop? Nous sommes pour la paix. Crois-nous, il ne mange plus, ma caméra. Ne touche pas à l'émetteur. L'enfant de Lorraine que j'attendais, c'est toi qui l'as foutu en l'air. Qu'est-ce que c'est? C'est mon frigidaire. Le bruit? Il le détraque. Mais votre pistolet, là, c'est quelle marque? C'est quel calibre? Savoir que vous avez acheté un de nos pistolets, c'est avoir l'espoir que la production va reprendre. Et c'est mourir enfin la conscience tranquille. Tirez, monsieur. Tirez. Quel plus grand plaisir de mourir de la balle de sa propre... Zine, attendez! Attendez. Une seconde. Quelle heure est-il? Il est 8 heures. Il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Sans moi, jamais ils ne chanteront aussi bien. Nos primes heureux. Parce que nous avons été mis à la retraite anticipée. Nous avons été licenciés par petits groupes, par grands groupes. Et nous avons été vendus une fois... Deux fois, cinq fois, à des groupes financiers du monde entier, cher tueur. Je m'appelle Alain. Cher Alain. Et à la fin, nous avons été fermés. Maintenant, si tu veux planter une balle de mon usine dans mon corps, eh bien vas-y, fais-le. Mais fais-le. Aïe, aïe, aïe. Tous les soirs, nous sommes présents à notre poste à 8h. La veillée des armes, notre veillée commence.
Les copains sont là. Avec le souvenir des grèves et des avantages sociaux. Avec notre chagrin d'ouvriers et de bons travailleurs. C'est que nous avons été d'excellents travailleurs. Chacun de nous connaît le mécanisme de tous les labyrinthes. Nous pouvons diriger le complexe des ordinateurs aussi. Oh mon Anita, ça va, on est... Aïe, mon Anita. Ce n'est personne, c'est ma femme. Elle vit ici un peu à la manière de mon usine. Et là-bas à l'usine... Là-bas, les îles, je suis devant les machines. Et puis, j'attends que la production recommence. Maintenant, je n'ai touché à rien. Et puis ici, depuis qu'Anita s'est concentrée, elle est partie, quoi. J'attends qu'elle revienne, je ne touche à rien. Mais, il y a quelque chose qui les empêche de revenir, les irresponsables. Tu parles de qui, là? De qui? De qui? Mais de ceux-là, de ceux qui ont le temps de partir et de se concentrer. Mais qui leur a permis de se concentrer? Et pendant que nous faisons des fusils, eh bien, les gens se sauvent. Tue-moi, cher tueur. Tue-moi. Mais tue-moi. Les copains me célébreront. Et moi, je rentrerai dans la chanson. Et puis, ce n'est pas nous qui restons dans la chanson. C'est la chanson qui reste. Tiens, je vais leur noter les vers. Alors, John était bon ouvrier. John était... Si toi, tu n'avais pas noté ton idée pendant que tu faisais l'amour, jamais l'enfant que j'attendais serait mort. Mon enfant, John. C'était mon enfant. Là, je n'ai rien. Rien à la place où les hommes, les machines peuvent faire des enfants. Rien. 18 ans, il a disparu. Là, je n'ai rien non plus. Que du verre colorié. Petite explosion au début de l'apprentissage. Mais vous... Vous veillez beaucoup, mon pote. Tous les jours, 8 heures. Quel privilège. Même quand on dort, ces manettes femmes nous parlent, nous enseignent. Tout rêve est analysé par ordinateur. La peur, traquée jusqu'au moindre indice.
La poule, c'était un copain de chez vous. De votre usine qui me l'a donné. Il fallait pas voler. Il fallait pas voler. Et l'enfant, celui que j'attendais de cette femme précisément, que j'ai écouté parler la nuit dans ma voiture vide. Il fait frais la nuit, à 5 heures du matin. Cet enfant qui aurait eu sa voix. J'aime sa voix. Tu me l'as tué. Une base statique. Je n'ai jamais tenu une balle comme ça, sans pouvoir lui trouver une utilisation, sans pouvoir la ranger, ni dans une caisse, ni dans un stock. Oh, petite balle grise, du gris noble, la couleur honorable et sacrée, la couleur des murs de mon usine. De mon costume, le gris chaud des yeux d'Anita Anisette. Le gris du laboratoire au centre des terres émergées en Bretagne. Où nous étions le siècle dernier, on nous battra pour la liberté. Puis le gris, je sais plus, le gris des mouettes, avec le gris des toits des maisons là-bas. Et le rouge des rochers aux veines d'oxyde de fer. Et un jour, l'océan a reculé. Et les terres ont apparu. Maintenant, la balle va arriver à l'acide chlorhydrique concentré de mon estomac. Et un ping-pong va s'entendre. J'exploserai. Et puisque je ne peux pas. Me concentrer, eh bien. Eh bien, je partirai. Vraiment. Comme le faisaient nos parents. Tu ne bougeras plus, au moins jusqu'à ce qu'il t'ait besoin d'aller chier. La balle est trop lourde. Tu peux pas rentrer. T'as compris? Je ne peux même pas trouver de la haine pour te tuer. T'as les couilles pour le faire. Hehehehe
Ça y est, j'ai plus de batterie encore. Vas-y. Vis. Si tu peux. Mais n'oublie pas de faire caca. Ne te constipe pas exprès, gros salaud. Maintenant, je penserai à toi. Ça m'empêchera de faire mon travail. Je dépense toute mon énergie à ne rien faire. Mais je fais attention que ça ne me rend pas fou. Et oui, je me surveille tout le temps. Ah, il faut avoir de l'imagination sans borne. Sans borne pour remplir son inactivité obligatoire. Et l'inactivité nous a été prescrite. Et maintenant, nous avons toute une usine de rêve. Et où nous rêvons tous ensemble. Les yeux grands ouverts. Vision collective nous rend visite tous les soirs. Les chaînes se mettent en marche et nous accomplissons le rituel des jours heureux. Avec 1200 observations quotidiennes par jour. Nous, conscients de notre importance technique, mais combien de temps va durer cette situation d'attente? Je n'ai pas pu le flinguer. Je crois que je suis déjà en rate de batterie. Je n'ai pas pu le flinguer. Il y a quelque chose en lui, mon amour. Lorraine, tu m'entends? Je suis heureuse que tu sois revenue à l'âme. Un autre enfant. Je recommencerai pour toi, pour un autre enfant. Une explosion. Ça doit être le post-quisté. Ce n'est pas moi, Anita. Des boucles de tes parents avec tous les cancers qu'ils ont eu, qui est par terre maintenant. ...1200... tumeurs cancéreuses par terre. Je n'ai pas pu les jeter. Je ne jette rien, moi.
tu sais le sens. Tu sais le sens de la rigueur et de l'économie sont très développés en moi. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Beaucoup. Beaucoup d'imagination pour remplir, pour tuer, jour après jour, toute tentative de récupération dans un but d'action quelconque. Jamais homme n'a souffert autant que John, sur cette terre, dans ce lit. Et ne rien faire. Pourquoi? Un caillou dans les reins. Cause plus de douleur qu'une cartouche. Et Dieu sait combien de temps j'ai besoin pour me concentrer. Les amis veillent là-bas. Et... que c'est triste. C'est insupportable quand on ferme les usines pour cause des diminutions du nombre de guerres sur la Terre. Et que certains partent. Et que certains partent sous votre nez. Sans que personne ne peut les empêcher. Ni les arrêter. Sans contrôle, sans intervention aucune. Libres. Certains sont libres de... Et personne ne peut les empêcher, ni les arrêter. Personne n'a jamais pu dominer leurs pensées. Mais aucune contrainte matérielle n'a pu dominer. Oh là là là. Et sans qu'on s'en aperçoit, ils ont inventé le partir, le grand voyage. En cherchant la liberté. Et les lois qui ont donné la liberté auraient mieux fait de me donner une balle dans le corps, peut-être. Il est bientôt 6 heures du matin. Action rate de batterie automatique. Il est bientôt 6 heures du matin. Et Johnny Junior va bientôt rentrer, peut-être pour mieux se concentrer. Ah.
aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Johnny Junior va bientôt rentrer à la maison. Pour mieux se concentrer, peut-être. Je dors. En 2024. Une année bien salope. Mais comment se fait-il que personne ne nous a prévenus? Personne! Aucun gouvernement, aucune organisation, personne! Tous disaient, c'est proche. Personne. C'est fait. L'heure est venue. Il faut quitter cette terre et c'est comme ça qu'il faut faire. Et maintenant, ces roublards, foutez le camp les premiers. Et nous, on reste ici. Sans guerre. Plus besoin d'industrie pour les alimenter. Et maintenant, sur la terre entière, se dressent des usines comme des cathédrales, belles et vides. Prions. Prions Dieu, copain. Que ceux qui partent ne nous abandonnent pas. Parce que nous ne pouvons produire des armes et nous battre avec. Être à la fois à l'usine et être en train d'anéantir notre propre production. Mais sans vous, nous n'avons personne pour s'entretuer. Ne partez pas. Restez. Massacrez-vous les uns les autres, mais faites-nous travailler. Tous ceux qui font, tous ceux qui se suicident, ce sont mes frères de malheur. Et ils sont comme moi, en fait. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Baiser. Nous sommes baisés. Et toi, Anita, tu m'as fait ça la première. Nous, qui n'avions pas eu le temps, entre deux pastis et trois belotes, de comprendre ce qui nous arrive. Tous ceux qui font la guerre se sont anéantis. Les gens se sont barrés. Et nous, on reste ici. Et nous faisons des armes. Pour personne. Et nous ne faisons plus des armes. Et nous restons sur cette terre, maigre et sale, face à la lune, à attendre le miracle. Et qu'ils viennent nous chercher, ceux qui nous abandonnent aujourd'hui. Je me demande si ça te fait quelque chose encore, un certain John, Anita. Parce que nous restons ici et nous pensons à vous. Je vis dans mes rêves avec la chaleur de ta lourde tête sur moi. Et je la garde toute la journée.
et jusqu'au prochain rêve, je vis avec la tache chaude et lourde de ta tête sur mes jambes. Est-ce que tu le sais, toi? Est-ce que tu le sens, toi? Est-ce que tu me sens, moi? Fin, peut-être. Ben voilà, c'est fini. Fais un peut-être. Chut. Allez, fais un peut-être. Très bien.